On est vraiment très heureux d'être ici au Maroc et on apprécie l'accueil et le soutien très fort de Sa Majesté le Roi. Et vous savez que le Maroc fait ça toujours. Et par exemple, si vous prenez le cas, j'étais ici moi-même, j'ai visité l'Université Polytechnique de Mohamed VI, qui est une institution vraiment très intéressante et avec le curriculum, toutes les choses qui ont été faites digitales. C'est quelque chose que le Maroc partage avec le reste de l'Afrique. Il y a aussi beaucoup de choses au niveau de, si on prend l'agriculture, il y a par exemple, on ne peut pas faire l'agriculture sans l'engrais. Et c'est la raison pour laquelle le Maroc partage avec le monde cette chose magnifique de OCP, qui est le plus large manufacture de phosphate dans le monde. Je pense que c'est un partage très important. Et je ne saisis pas, je n'arrête pas aussi à dire l'importance pour le pays africain et les autres de voir la densité et la concentration d'infrastructures qui ont été faites ici. Si vous regardez par exemple le port de Nado-Ouest, c'est un port autour de laquelle vous avez des industries qui manufacturent soit les voitures, soit les pièces d'ordinateur et tout cela. Ça veut dire une expérience de Maroc très importante, que ce n'est pas une question simplement de développer le port. C'est une question de développer la zone industrielle autour du port qui est vraiment quelque chose de très important. Donc je pense que c'est très important ça. J'ai annoncé pendant mon discours d'ouverture de dire que cette année, la Banque africaine de développement va financer le Maroc avec le montant de 782 millions d'euros. Et il y a aussi un rassemblement de tous les partenaires financiers dans le monde autour du Maroc. Et comme vous le savez, ici, la Banque africaine de développement, nous faisons beaucoup d'investissements. Nous avons financé le Nouazazat qui est 540 MW d'énergie, qui est très important. Nous avons aussi soutenu le port de Nado-Ouest, qui est vraiment très important. Et nous faisons un investissement aussi sur l'énergie renouvelable, aussi de Mid-Delta. Et nous avons fait beaucoup d'investissements aussi au niveau de l'infrastructure aéroportière, infrastructure digitale, infrastructure routière, et l'agriculture pour soutenir le Maroc, le plan de Maroc 20 pour la Maroc. Et nos investissements ici, donc aux Banques africaines de développement, c'est autour de 4 milliards de dollars. Donc on est là au Maroc, il y a beaucoup de projets ici qui ont sera présentés aussi, qui incluent d'ailleurs les projets de OCP, qui est une compagnie globale que nous soutenons beaucoup. Donc on est très, très, très content d'être là. The future is in Africa.